Et ouais, surprise bande de salopes, c'est pas Squeezie qui est là aujourd'hui, on a pris les rênes. Allez, on est là pour clasher le YouTube game français. Vous êtes tous là, là, à gagner de l'argent, faisant des vidéos de merde, vous criez là, avec des zooms, vous croyez c'est drôle? Toi tu cries aussi, toi. Je suis énervé. Ok, du coup, on va tous vous clasher un par un. Ok, Cyprien? Eh hey, mec, y'a plus de pubs sur Cyprien Gaming que sur TF1. Bon, tu te souviens de ta vidéo comme une merde? Bah nous non plus. Eh hey, Jimmy Falcon, c'est marrant, on dirait t'es Cyprien, mais avec moins de cheveux. Allô? D'accord. Non, c'était en fait, c'était PewDiePie, il veut que tu lui rendes son style, c'est pour ça. Oh ah 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 Non, on continue sur Squeezie. Hé hey, Squeezie, la tête derrière ton corps, on dirait une canne à pêche. Hé hey, le blédard, y'a tellement ta tête sur les miniatures qu'on dirait que chez toi t'as pas de miroir. Elle est pas mal, hein. Hé hey, le blédard, hé hey, je crois Renault, ils se sont inspirés de ton front pour faire le toit panoramique du Scénic. Si, parce qu'en fait il est panoramique. Multiple, hein. Hey. Comment t'embrouilles mon pote? Eh hey, Thibaut Inchef, y'a plus de meufs sur tes miniatures que sur un site porno, mec. Bam. Tu crois parce que t'as des muscles et t'as un dos en forme de cerf-volant, ça y est, personne va venir te clasher. Eh hey, Thibaut, eh hey, y'a plus de meufs. C'était quoi ta vanne pourrie là? Sur les protéines. Teubé, bah. Hey, c'est toi qui l'as écrit, pas c'est toi, sur les protéines, c'est toi. Eh hey, Thibaut, apparemment ton avant-bras il fait la taille de la cuisse de Squeezie. Blé. Mais là c'est moi que tu clashes du coup, c'est pas Thibaut. Ok Amixem, tes titres sont tellement putaclic que je sais plus si je suis sur YouTube ou sur Melty. Eh hey, d'ailleurs Amixem, attends bouge pas. Eh hey, reste tranquille, viens ici, viens ici. D'ailleurs tes titres ils sont tellement putaclic que dans le milieu des putaclic on dit que tes titres ils sont Amixem. Eh hey, Norman, pourquoi tu parles comme ça? Ce qui est marrant avec les papas c'est que ils sont pas trop prévisibles. Eh hey, par contre Norman, j'ai adoré ton film pas très normal activity. Faux. Eh hey, Norman, tu sais quoi? La dernière fois c'est bon. Il t'a fait quoi, Norman? Il t'a pas follow sur Twitter? Non, je lui ai envoyé plein de messages, il m'a pas répondu. Oh non! Hey, moi je crois que c'est parce que David Lafarge il a fait la blinde de dégustation! C'est pour ça, joueur du grenier, il a maigri, il avait plus rien à manger. Bleh! Tu t'y attendais pas! Eh ouais, mon frère, t'as pas regardé la météo hier, ils avaient prévu un ouragan! Non, moi j'ai vu en fait, il était marqué 20 degrés avec un vent de. Ferme ta gueule, ferme, tu fermes ta gueule. Eh hey, David Lafarge, tu veux pas déguster la chatte à ta meuf? Grave, on dirait les orgasmes, tu les as cœurs en ouvrant des boosters Pokémon, frère. Brulique, Brulique. Eh, hey, David Lafarge Pokémon, tes vidéos Pokémon, elles font moins de vues que tes vidéos dégustation. Tu devrais t'appeler David Lafarge Dégustation. Oh. Eh, hey, Mister V, ça fait quoi d'avoir plus de cheveux sur ton épaule que sur ton crâne? Oh. D'ailleurs, ton épaule, elle est mieux coiffée que ton crâne. C'est nul, ça. C'est qui, elle? C'est Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix. Tu penses qu'un phoenix, ça renaît de ses cendres, même à 300 degrés? Si, il s'est fait un masque à la cannelle avant, ouais. Et Sifano! Eh, hey, tu serais pas un cousin avec Sifano de Bergerac? Bia! Eh, hey, Diablo X9! C'est qui Diablo X9? C'est un mec qui faisait des vidéos sur YouTube à l'époque, il était numéro 1. Non, on connaît pas. En même temps, j'ai regardé sur Google. Bah non, Google connaît pas non plus. Mais il était fort sur Call of Duty. Cherche Call of Duty? Non, je Battlefield 1, je vois, mais pas Call of Duty. Hey, Wartek, avant tu campais dans Call of Duty, maintenant tu campes en vrai, tu te filmes pour faire un vlog. Ah, on t'a comme dit ça avec des jumelles, on vous regarde tous. C'est pas des jumelles, mais... Celui-là, putain. Cassé, touche pas au tricoteur, t'es chiant. Hey, tu sais ce qui est plus rare que de gagner au loto? Non. Voir Antoine Daniel sortir une nouvelle vidéo. Et Sam Lafrite, mon gars, attends, juste comme ça. T'as une chaîne secondaire, non? Non, j'ai fermé il y a 4 ans. Mais j'ai vu une chaîne qui s'appelle Trash et il y a ta tête sur toutes les miniatures, c'est pas ta chaîne. Ah, c'est pas ma chaîne, ça c'est juste une technique pour faire plus de vues. Ah d'accord. Et là ça c'est l'histoire d'un mec, il avait des sous pour acheter qu'un jeu. Il a choisi GTA 5, il a voulu le rentabiliser pendant 10 ans. Mec, la dernière fois je suis tombé sur une vidéo secrète de Studio Bubble Tea. Bonjour Calice, comment ça va? Bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Calice, tu expliques? On va faire un peu de toboggan. C'est parti, on y va. Ouais, Calice allez. Ouais, on s'amuse Calice. Eh hey, Hugo tout seul. Hugo, mon gars, Hugo, tu... qui, Hugo qui? Hugo tout seul. Ah c'est pas un mec qui a monté un collectif avec Asiatomic, ils ont décidé de pas faire de vidéo. Hello Wu. Eh, hey, notamment Malcolm. Eh, hey, apparemment, il y a Desireless, elle m'a appelé hier. Elle m'a dit, eh, hey, dis à Malcolm, il me rend mes cheveux. Eh, hey, Squeezie, t'as besoin d'un tatouage pour te sentir viril, fils de pute. Pourquoi t'as un tatouage, toi aussi? Squeezie? Salut. On clashait tout le monde, mais on voulait pas être méchant. Eh, hey, si vous voulez répondre, allez-y, répondez. Eh, hey, nous, les rageux, on s'en bat les couilles. La bombe nucléaire est lâchée sur le game. Ça va et toi? Ça va, ça va. Je viens de tomber sur une vidéo de deux mecs qui clashent tout le YouTube game français, mon gars. Mais non. Vas-y, fais voir.
C'est marrant, on dirait t'es Cyprien, mais avec moins de cheveux.